بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في صدد الحديث عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه الذي كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. Donc Omar ibn al-Khattab, toujours dans la biographie de ce noble compagnon, et ce sera l'avant-dernière partie. Omar ibn al-Khattab, qui est le meilleur de cette communauté après le prophète alayhi salat wa salam et Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dont le prophète alayhi salat wa salam a fait les éloges. Il a dit dans un hadith authentique: s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar. S'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Et dans un autre hadith, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala a placé la vérité sur la langue et le cœur de Omar ibn al-Khattab. Il a placé la vérité dans sa parole et dans son cœur, radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab, qui disait souvent, comme on l'a déjà relaté: jugez-vous avant de vous faire juger, et pesez vos œuvres avant qu'on les pèse pour vous. Yani avant l'akhira, avant d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, tahaddathna anhu, كيف دخل الإسلام؟ كيف كان في الجاهلية قبل الإسلام؟ كيف كان بعد إسلامه في مكة؟ كيف كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ كيف كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصديق رضي الله عنه؟ وحديثنا في هذه الليلة يكون عن موت الفاروق رضي الله عنه. عمر بن الخطاب
nous avions cité comment était sa vie avant l'islam, comment il était quand il a accepté et embrassé l'islam, comment il était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, puis à la Mecque, puis à Médine, comment il était également à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, comment il était durant le califat de Al-Siddiq, le véridique Abu Bakr radiallahu anhu. Et aujourd'hui, nous allons citer la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui est un moment important durant sa vie. كان عمر ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, كان يقول لو نادى منادي من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلا واحدا قال لخفت أن أكون أنا هو. عمر بن خطاب dit, si un crieur crierait du ciel, oh vous les gens, tous les gens qui sont sur la terre, vous allez tous rentrer au paradis, tous ensemble, il dit sauf un seul homme de toute la création, Omar ibn Khattab il dit, je craindrai que ce soit moi. Je craindrai que ce soit moi cet homme. ويقول أيضا ولو نادى مناد من السماء. Si un crieur crierait du ciel, يا أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لا رجوت أن أكون أنا هو. يعني خوف ورجاء. المؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى بين الخوف وبين الرجاء كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيه الرجاء رجاء رحمة الله عز وجل مالك يوم الدين فيه الخوف من الملك ومن يوم الحساب فالمؤمن بين الخوف والرجاء. Il dit, si un crieur criait du ciel, oh vous les gens sur terre, vous irez tous en enfer, sauf un seul homme. Il dit, j'espérais être cet homme. Il adore Allah Azza wa Jal entre la crainte et l'espoir. Nous avons déjà fait allusion à cela que le croyant, son adoration repose sur trois piliers. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec amour, un des piliers. Il doit adorer Allah ensuite entre la crainte et l'espoir. Craindre ses péchés, craindre que ses actions ne soient pas acceptées. Et espérer le paradis, espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit vivre avec ses deux ailes. فكان عمر بن خطاب كان يقول كل يوم يقال فيه مات فلان وفلان ولا بد فيه من يوم يقال فيه مات عمر. Il disait souvent, tous les jours on dit un tel et un tel ils sont morts, un tel et un tel ils sont morts. Il dit, viendra le jour où les gens diront Omar ibn al-Khattab il est mort. Wa sadaqa radiyallahu anhu. Fa inna al-maut katabahu Allah azza wa jal ala jami'i al-khala'iq. إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت. Il a raison, il est véridique, car la mort, toute personne passera et goûtera à la mort. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, tu es certes mourant et les sangs également mourront. Tu mourras et ils mourront également. Tu goûteras à la mort. Et dans l'autre verset, il dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera à la mort. Kana radiyallahu anhu ya'lamu yaqinan annahu sayuqtal wa annahu yalqa Allah azza wa jal shahidan. Il avait la certitude, Omar ibn Khattab, qu'il se fera tuer. Car le prophète alayhi salatu wa salam lui avait annoncé de son vivant qu'il mourra martyr. Il avait la conviction dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam
il savait qu'un jour ou l'autre, il sera tué. النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة بالشهادة في حياته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحد ومعه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان فرجف فضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال أثبت يا أحد أثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشاهدان عمر وعثمان. Le prophète عليه الصلاة والسلام, comme il est rapporté par Anas ibn Malik, un jour en grimpant, en montant sur le mont Uhud, qui tremblant, il était accompagné de Umar ibn Khattab, Abu Bakr al-Siddiq et Uthman ibn Affan, le compagnon suivant dans le califat. Et Uhud a bougé, le prophète alayhi salatu wassalam lui donne le tap du pied et dit: reste ferme Uhud, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Le prophète c'est lui-même, le véridique c'est Abu Bakr al-Siddiq, et les deux martyrs c'est Umar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan. وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر على قميصا أبيض. ابن عمر son fils, il dit un jour le prophète عليه الصلاة والسلام a vu عمر بن الخطاب بيد قميص بلون. فقال له ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ Il dit ton vêtement que tu portes, il est neuf ou bien est-ce que c'est un vêtement qui a été lavé? فقال عمر بن الخطاب لا بل غسيل. قال ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. Il dit non, c'est un vêtement qui a déjà été lavé. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit porte, lui fait l'invocation que tu portes du neuf, que tu vives pleinement dans la vie heureuse et que tu meurs martyr, وَمُتْ شَهِيدًا, et que tu meurs martyr, l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَطْلُبُ الشَّهَادَةِ يَدْعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُعْطِيَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِهِ. Il faisait du'a afin qu'Allah lui donne le martyr. كَانَ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله. واجعل موتي في بلد رسولك. عمر بن الخطاب disait: oh Allah, accorde-moi le martyr dans ton sentier et fais que ma mort soit dans le pays de ton prophète, c'est-à-dire à Médine. Et il a eu le martyr, et il l'a eu dans le pays du prophète alayhi salatu wassalam, dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. وَجَا فِي حَدِيثْ أَيْضًا حَدِيثْ حُذَيْفَ بْنِ الْيَمَنِ رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة. Un jour, Hudayf ibn al-Yaman dit, on était avec Omar ibn Khattab et d'autres compagnons. Il demanda lequel d'entre vous a retenu un hadith concernant al-fitna, les troubles qui toucheront les musulmans. Faqala Hudayf fitnatu ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Il lui dit la tentation de l'homme avec sa famille, avec ses biens, avec ses enfants, ses voisins, et les erreurs qu'il a pu commettre. Il dit tout cela est expié, est effacé avec les prières, avec l'aumône, avec l'appel au bien et l'interdiction du blâmable. Faqala, yani ay Umar, laysa an hada as'alu. Il dit ce n'est pas cette question. Ce n'est pas cela, ce n'est pas en cela que j'interroge. ولكن التي
tamouju ka maujil bahr. Il dit, mais moi j'interroge au sujet de celles qui viennent comme les vagues d'un océan, hein, qui se propagent comme ça, qui tombent sur les musulmans. قال له حذيفة وهذا حذيفة بن اليمن صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أسماء المنافقين كان يعلم علامة الفتنة وما تأتي وما تبدأ الفتنة وأين تبدأ. حذيفة بن اليمن c'est un compagnon qu'on appelle le compagnon du secret du prophète عليه الصلاة والسلام. Il avait des informations que lui seul avait. Il connaissait le nom de tous les hypocrites. C'est-à-dire tous les gens qui voyaient qu'ils étaient hypocrites, lui, il savait que c'était des hypocrites. D'autres gens ne savaient pas que c'était des hypocrites. Omar ibn Khattab lui-même, quand il voyait que Hudhayfa ne venait pas à une janaza, il ne priait pas sur la personne. Il disait, lui, c'est un hypocrite, parce que Hudhayfa ibn Yaman n'est pas là. Donc il connaissait les noms des hypocrites, il connaissait également les troubles qui toucheront les musulmans, les divisions, les égarements qui apparaîtront dans la communauté. Il y a un très long hadith à ce sujet, rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman. Quand viendront les prêcheurs égareurs qui écarteront les gens de la voie du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a nommé les prêcheurs aux portes de l'enfer, ceux qui leur répondront les jetteront dedans. Un hadith très long rapporté par l'imam muslim où il décrit les gens, où il dit ce sont des gens de notre peau qui parlent notre langue. Et c'est des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et Omar ibn Khattab lui dit, c'est en cela que je t'interroge, c'est sur cette tentation. Faqala laysa alayka minha ba's. Il dit, toi ne crains rien, et ce ne sera pas durant ton califat. فقال عليك منها باس ما عليك منها باس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. Et donc entre toi et cette fitna, il y a une porte qui est fermée. Donc la fitna n'apparaîtra pas, elle n'est pas apparue au temps de Omar ibn Khattab. قال عمر وهو يعني يفهم فقير فقال أيكسر الباب أم يفتح. Regardez la question de Omar ibn Khattab. Ils disent que la porte va se casser ou bien elle va s'ouvrir. Si elle s'ouvre, ça veut dire que celui qui l'a ouvert, il est tombé dans la fitna lui aussi. Si elle se casse, c'est que lui il est mort et que la fitna est venue après. Faqala bal yuksar. Sinon, cette porte va se casser. Qala Omar, idan la yughlaqu abadan. Il dit donc si elle est cassée, elle ne se refermera plus jamais. قال نعم يعني أجل. فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب. Et les gens ont demandé, est-ce que Omar il savait c'était quoi la porte? قال نعم كما أعلم أن دون غد ليلة. Il dit, le savez comme moi je sais que demain يعني il y aura la nuit comme tous les jours. فلما سأله يعني الراوي سأل مسروق الذي كان من التابعين سألوه عن الباب يعني من هذا الباب فقال الباب عمر بن الخطاب. Et le tabi'i Masrouq, quand les gens leur ont rapporté ce hadith, ils l'ont interrogé, c'est qui cette porte? Il leur a dit, la porte c'est Omar ibn al-Khattab. Quand il a demandé est-ce que la porte va se casser, est-ce que lui va tomber dans le fitna ou est-ce qu'il va être préservé? Quand il a su qu'il va être préservé, le reste, il sait qu'il est innocent devant Allah Azza wa Jal. On a qu'à l'écharant, l'iqtirab ajal al-faruq. Omar ibn Khattab a reçu des signes qui montraient l'approche de la fin de sa vie. Awalan, ظهر ذلك من دعائه رضي الله عنه في آخر حجة له. Cela apparaît dans le dernier pèlerinage qu'il a effectué où il a fait un dua. جاء في حديث سعيد بن المسيب أن عمر لما نفر من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحة. Donc عمر بن الخطاب quand il est parti de منى, il est monté sur sa chamelle.
فاستلقى عليها ورفع يديه إلى السماء. Quand il était sur sa chamelle, il a levé les mains vers le ciel. فقال اللهم كبرت سني. Il dit, oh Allah, j'ai mon âge, j'ai vieilli. وضعفت قوتي. Et ma force a affaibli. وانتشرت رعيتي. Mes responsabilités l'empire musulman, il s'est agrandi à l'époque de Omar ibn Khattab, c'est vers la fin de sa vie. فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. Il dit, prends-moi vers toi, et sans que je sois dans l'exagération ni dans le laxisme, dans le juste milieu. فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس. ويقول سعيد ابن المسيب, فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. Dhul Hijjah, c'est le mois du pèlerinage. Il dit, le Dhul Hijjah n'était pas terminé que Omar ibn Khattab a déjà été tué. Allah Azza wa Jalla a accepté son dua. Thaniyan, min al-ru'ya allati ra'aha fi al-manam. Un rêve qu'il a fait dans son sommeil. Il a su qu'il allait bientôt être tué. Qama Omar ibn Khattab ala al-minbar yawm al-jumu'a. Fahamid Allah wa athna alayhi. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أبا بكر ثم قال. Donc il est monté sur le minbar le jour du vendredi. Il est mort à mercredi. Il dit, il a loué Allah Azza wa Jal, il a fait ses glorifications, il a cité le prophète عليه الصلاة والسلام, il a cité Abu Bakr al-Siddiq. Et ensuite il a dit, قال رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجل. Il dit, j'ai fait un rêve et sa signification, son explication, c'est la fin de ma vie. يعني la fin de la vie de Omar ibn Khattab. قال رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. Il dit, j'ai vu comme un coq qui m'a picoré deux fois. Piqué deux fois. قال وذكر لي أنه ديك أحمر. C'était un coq rouge. فقصصتها على أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ أسماء بنت عميس. سبحان الله يا إخوة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وأعطاك الجنة. امرأة أبي بكر الصديق. فقالت يقتلك رجل من العجم. عمر بن الخطاب في سغاد où il voit un coq rouge qui le picore deux fois. Il dit, je l'ai raconté à la femme d'Abu Bakr al-Siddiq, Asma bint Umays. Elle lui a dit, un homme parmi les non-arabes te tuera. Une explication juste. ثم قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف. Il dit aux gens, les gens m'ordonnent d'indiquer ou de leur montrer qui sera le calife après moi, de désigner le calife qui me succédera. وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم. Il dit, mais Allah ne laissera pas, ne négligera pas sa religion ni le califat qu'il a laissé après son prophète عليه الصلاة والسلام. قال وإن عجل وإن يعجل بأمر فإن الشورى في هؤلاء الستة. D'ici entre temps je décède, alors faites la consultation au sujet des sept que je vais citer. الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. Il dit, quand le prophète عليه الصلاة والسلام est mort, il était satisfait des sept que je vais citer. فمن بايعتم منهم فاسمعوا له واطيعوا. Celui que vous choisirez, écoutez-le et obéissez. إلى آخر خطبته رضي الله عنه. وكما قلنا خطب يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء. Il a fait le khutba le jumu'a, il est mort le mercredi. والآن نذكر الحديث في مقتل عمر الذي نسميها الكلب يقتل الفاروق.
كما سماه الفاروق بنفسه. Le hadith où il rapportait comment Omar ibn Khattab a été tué. Il dit, le chien m'a tué. Et c'est un chien. Même un chien est mieux que cette personne. Celui qui a tué la meilleure de le meilleur de cette communauté après le prophète et Abu Bakr al-Siddiq. وَالْكَلْبُ هُوَا أَبُ اللُّولُ أَلْمَجُوسِ قَاتَلَهُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ. Donc le chien c'est Abu Lulu al-Majusi qui a tué Omar ibn Khattab. يقول المغيرة بن شعبة قال عمرو بن ميمون إني لقائم يعني في الصف ما بينه ما بيني وبينه يعني عمر إلا عبد الله بن عباس. Là il raconte le compagnon Amr ibn Maymoun, il dit j'étais dans le premier rang. Il n'y avait entre moi et Omar ibn Khattab que Abdullah ibn Abbas. Il était tourjuman al-Qur'an. Il était khalf al-imam. Il dit, « Et il y a Omar, si il est entre les deux safins, il dit, « قال استووا, استووا, فإذا استوى تقدم فكبر. » Il dit, quand il passait dans les rangs, il disait « Istaou, alignez-vous correctement. » Quand les gens étaient correctement alignés, ils se retournaient et disaient « Allahu Akbar » pour débuter la prière. « Wa rubbama qara'a surata Yusuf aw nahwi dhalik fi ar-rak'ati al-ula hatta yajtami'a an-nasu fama huwa illa an kabbar. » Donc il dit, il se peut qu'il récite surat Yusuf ou surat les abeilles ou d'autres chapitres dont la prière du matin faisait long. Il dit, quand les gens se sont unis autour de Omar ibn Khattab et qu'il a dit Allahu Akbar, فَسَمِعْتُهُ يَقُولْ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبِ. Il dit, pendant la prière, il dit, il m'a tué le chien ou il m'a mangé le chien. حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِنْجِ وَهُوَ الرَّجُلْ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ. Il dit, c'était un homme parmi les non-arabes. Il était à la base un esclave d'un des compagnons radiyallahu anhu, qui a planté, donc il est venu pendant la prière, il a planté Omar ibn Khattab avec un couteau qui était à double tranchant. يعني كان له سكين ذا بسكين ذات طرفين فطعن عمر بن الخطاب. Donc il a planté Omar ibn Khattab, il sort durant, il également il fait d'autres compagnons pour se sauver. فيقول لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنا. Tous ceux qui étaient sur son passage à droite ou à gauche, il les plantait avec son couteau. حتى طعن 13 رجلا. 13 personnes ont été blessées. مات منهم سبعه. 7 sont morts dans la prière. فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا. Quand un des musulmans a vu cela, il a enlevé son khamis, il lui a jeté sur le couteau. Comme ça, il ne peut plus blesser ou tuer quelqu'un. Quand il a pensé qu'il était pris, il s'est suicidé. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بين الناس. Ils n'ont pas arrêté la prière, ils ont dit on va la refaire. Pendant la prière, Omar ibn Khattab recule avec deux essais, avec un couteau. Il prend la main de Abd al-Rahman ibn Auf et il le place pour qu'il préside la prière pour les gens. Hatta yukmila salat linnas. Qala faman yani Omar faqad ra'a alladhi ara. Il dit, tous ceux qui étaient aux alentours, donc du premier rang, qui étaient derrière Omar ibn Khattab, ont tous vu ce que j'ai vu. واما الذين في نواحي المسجد كنت ceux qui sont dans les autres côtés de la mosquée ou derrière لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر. Ils ne savent pas ce qui se passait sauf qu'ils n'entendaient plus la voix de Omar ibn Khattab réciter le Coran. وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. Ils n'entendent plus la voix, ils disent سبحان الله pour l'imam. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. عبد الرحمن بن عوف a prié une prière légère.
فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم رجع فقال غلام المغيرة يعني أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. Donc il dit, va voir qui m'a tué. Donc il part, il revient un temps après, il lui dit, c'est l'esclave de Al-Mughir ibn Shu'ba. Faqala Umar ibn Khattab al-Sana' يعني الذي يعمل في الصناعة. Il dit, celui qui travaille, soit forgeron ou autre. قال ابن عباس نعم. Il dit, ouais, c'est bien lui. قال عمر ابن خطاب قاتله الله. لقد أمرت به معروفا. Depuis Salah le combattre, il dit j'avais ordonné qu'on soit bienfaisant vers lui. ثم قال فالحمد لله الذي لم يجعل من بتي يعني موتي بيد رجل يدعي الإسلام. Il dit louange à Allah que ce ne soit pas par la main d'un homme qui prétend l'islam. C'est un homme qui n'était pas musulman. فقال فاحتمل إليه إلى بيته فانطلقنا معه. Donc les gens l'ont porté, l'ont ramené vers sa maison. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. Comme si les gens n'avaient jamais connu un malheur à part ce jour-là. فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه إلى آخره. Donc certains disaient il n'y a pas de mal, il va guérir, simplement blessé. D'autres disent je crains pour lui, et ce sera sa mort. فأتي بنبيذ والنبيذ يتمرد نبذت في الماء. On lui a rapporté de une, on va dire comme une boisson dans laquelle on met des dates, l'eau dans laquelle on met des dates. فشربه فخرج من جوفه. Il en a bu Omar ibn Khattab et cela est sorti de son ventre. On lui a rapporté ensuite du lait, il a bu, il s'est ressorti par ses blessures. Et là les gens ont compris qu'il allait mourir. Et les gens sont venus donc aux côtés de Omar ibn Khattab et il faisait ses éloges. يقول ابن عباس دخلت على عمر حين طعن فقلت أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ولم يختلف في خلافتك اثنان وقتلت شهيدا يعني التزكيات. Ibn Abbas il me dit, donc après quand il était chez lui, il dit je t'annonce la bonne nouvelle du paradis, chef des croyants, tu as cru quand les gens ont mécru, tu as combattu avec le prophète alayhi salat wa salam quand les gens l'ont délaissé, et le prophète alayhi salat wa salam a quitté ce bas monde, il était satisfait de toi et personne n'était en divergence pour que tu sois le calife. Tout le monde était unanime qu'il méritait le calife. Et tu meurs en martyr. فقال عمر أعد علي فأعددت عليه. فقال والذي والله الذي لا إله إلا هو لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هوال المطلع يعني من أهوال يوم القيامة. Il me dit, par Allah Azza wa Jal, dans lequel il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration si ce n'est lui, il dit, si je possédais tous les biens de ce bas monde, yani safra wa bayda, jaune et blanc, c'est-à-dire or et argent, il dit, je dépenserais tout cela pour aller de peur pour ce qui arrivera dans l'akhira. Wa fi riwayatil imam al-Bukhari, قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ورضاه فإن ذلك من الله عز وجل من به عليه. Et dans une version il lui dit, quant à ce que tu as cité parmi tes éloges que j'étais compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام, qu'il a été satisfait de moi et autres, il dit tout cela n'est qu'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم جاء رجل شاب. Ensuite un homme, un jeune rentre. فقال أبشر يا أمير المؤمنين. Il dit reçois la bonne nouvelle, chef des croyants. يو بشرى بشرى الله عز وجل ببشرى الله عز وجل لك من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام وما قد علمت ثم وليت يعني صرت خلافة وليت فعدنت ثم شهادة. Le jeune il lui dit bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal, tu étais un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam, tu étais parmi les tout premiers à accepter l'islam. Il dit ensuite tu es le califat et tu as été juste, et ensuite tu clôtures tout ça par le martyr. Et c'est le, comme il dit, la cerise sur le gâteau. فقال عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. Il dit c'est seulement tout ça n'était ni pour moi ni contre moi. فلما أدبر الرجل يعني ذهب إذ إزاره يمس الأرض. Quand l'homme il repart, il voit son camis, son izar qui touche le sol. فقال عمر ردوا علي الغلام. Il leur dit aux gens rapportez, dites à ce jeune homme qu'il revienne. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. Il lui dit oh jeune homme, relève ton vêtement car cela est plus propre pour ton vêtement et plus pieux pour ton Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. يعني رضي الله عنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في آخر اللحظات من حياته. يعني كالله عز وجل envoie le compagnon dans les derniers instants de sa vie. Que les gens disent c'est des détails de la religion. Est-ce que Omar ibn Khattab, dans les derniers instants, souffle de sa vie, il est sur le lit de mort. Il faut se remettre cette image s'imaginer la situation. C'est le calife, il est sur un lit de mort, il vient d'être poignardé. Il voit un homme, il lui dit, et on dit ça c'est un détail de la religion. Non, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas les piliers de la religion, mais ce n'est pas un détail. ثم قال عمر بن الخطاب يا عبد الله بن عمر. Ensuite, il interpelle son fils, عبد الله بن عمر. انظر ماذا علي من الدين. Il dit, regarde mes dettes, compte des nombres de mes dettes. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو ذلك. Donc ils ont compté, ils ont trouvé 86,000. Donc ça fait 86,000 ou نحو ذلك et aux environs. Il avait des dettes رضي الله عنه. فقال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أمواله. Il lui dit si les biens de la famille de Omar ibn Khattab suffisent pour rembourser les dettes, alors tu fais comme ça, tu prends les biens de la famille, tu les donnes pour les dettes. Wa illa fas'al fi bani Ad ibn Ka'b. Il dit sinon, si c'est pas suffisant, demande à telle tribu. Fa in lam tufi amwaluhum fas'al fi Quraysh. Thumma qala wa la ta'duhum ila ghayrihim. Il dit ensuite, tu demandes au Quraysh. Ensuite, tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre après cela. فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالِ. Il dit, rembourse donc ces dettes de ma part. ثُمَّ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فَقُلْ. Il dit, va ensuite trouver Aïcha, la mère des croyants. فَقُلْ. Il dit lui, يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامِ وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. Il lui dit, tu lui dis, Omar, tu fasses le salam. Et tu ne dis pas Amir al-Mu'minin, chef des croyants. Car aujourd'hui, je ne suis plus chef pour les croyants. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن. Donc il demande. Omar ibn Khattab demande d'être enterré avec ses deux compagnons.
C'est-à-dire un Nabi alayhi salatu wa salam ou Abu Bakr al-Siddiq. Donc Abdullah ibn Umar, il rentre, il passe sa salutation, il demande permission. Thumma dakhala alayha fa wajadaha qa'idatun tabki. Il trouve Aisha radiyallahu anha assise et qui pleurait. فقال يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن ان يدفن مع صاحبيه. يا عمر بن الخطاب تبصم السلام il demande permission afin d'être enterré avec ses deux compagnons. فقالت كنت اريده لنفسي. Elle me dit je l'avais réservé pour moi, j'espérais être enterré, يعني au proche de son père et de son mari النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قالت ولا أثري أنه به اليوم على نفسي. Donc elle dit mais aujourd'hui je vais me priver de cela, c'est-à-dire je lui accorde cette demande. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. Quand عبد الله بن عمر est revenu, les gens ont dit il arrive عبد الله بن عمر. قال يرفعوني. Les gens ont dit levez-moi. فأسنده رجل إليه. Un homme l'a pris sur lui pour le relever. فقال ما لديك. Il dit, c'est quoi l'information ? Malladhi qala Abdullah ibn Umar, alladhi tuhibbu ya amir al-mu'minin, udhin. Il dit, ce que tu espérais au chef des croyants, on t'a donné l'accord. Faqala radiyallahu anhu, alhamdulillah. Dit louange Allah azza wa jal. Ma kana min shay'in ahamu ilayya min dhalik. Il n'y avait rien de plus préoccupant pour moi, si ce n'est cela. Maintenant, alhamdulillah. Qala fa idha ana qudayt fahmiluni. Dit quand je vais mourir, transportez-moi. Thumma sallim. Ensuite tu passes ma salutation. Faqul yastadhin Umar ibn al-Khattab. Fa idha adhinat fa adkhiluni wa in raddatni farudduni ila maqabir al-muslimin. Il dit quand j'arrive, il dit quand vous ramènerez mon corps, vous repassez le salam et vous redemandez permission. Omar ibn Khattab demande l'accord pour être enterré. Il dit, si elle accepte, alors enterrez-moi, sinon amenez-moi au cimetière des musulmans. وجاءت أم المؤمنين حفصة وهي بنت عمر. Et la mère des croyants, حفصة, la fille de Omar ibn Khattab, arrive. والناس تسير والنساء تسير معها. Elle est venue avec un groupe de femmes. فلما رأيناها قمنا. Les gens, donc les hommes, se sont enlevés. فولجت عليه. Et elle s'est posée sur son père. فبكت عنده ساعة. Et elle a pleuré à un moment. واستأذن الرجال. Et les gens ont demandé, les hommes ont demandé permission. فولجت داخلا. يعني مدخلا لأهلها داخل البيت. قال الراوي فسمعنا بكاءها من الداخل. Donc elle s'est mise dans une autre pièce et dit on entendait ses pleurs alors qu'on était auprès de Omar ibn Khattab. وجاء في حديث عثمان ibn Affan قال انا اخر عهد بعمر. عثمان ibn Affan dit je suis le dernier qui était auprès de Omar ibn Khattab avant que son âme remonte à Allah azza wa jal. يقول دخلت عليه وراسه في حجر ابنه عبد الله. Il dit je suis rentré chez lui alors qu'il était dans la pièce de son fils Abdullah ibn Umar. فقال له ضع راسي على الارض. قال ابن عمر فهل فخذي والارض الا سواء. Son père lui dit pose ma tête au sol, allonge-moi au sol. Et Abdullah ibn Umar lui dit est-ce que mon genou et la terre n'est pas pareil. فقال له عمر ضع راسي بالارض لا ام لك. Il dit pose ma tête au sol. وفي الثالثه وفي ثم الثانيه والثالثه وسمعته يقول ويل 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 امي ان لم يغفر الله لي. Il dit quand il a posé au sol, il disait malheur malheur à moi. Il dit si Allah ne me pardonne pas. حتى قاضت روحه رضي الله عنه. Jusqu'à ce que son âme soit prise. فرضي الله عنك يا عمر بن الخطاب وسبحانك يا من خلقت عمر
واخترته لصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم معهم في جنات النعيم. قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. Donc il a rendu l'âme, on l'a pris, il dit on marchait. فسلم عبد الله بن عمر وقال يستاذن عمر بن الخطاب. Il a dit عمر بن الخطاب il demande permission. قالت عائشة أدخلوه فأدخل فوضع فوضع هناك مع صاحبيه. Il dit on l'a fait rentrer, elle a dit faites-le entrer. Ils l'ont mis avec ses deux compagnons. وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا يسمون بالسمع والبصر للنبي عليه الصلاة والسلام. السمع والبصر. Ils étaient surnommés السمع والبصر. Lui, il a vu. أبو بكر الصديق et عمر بن الخطاب. Car ils étaient constamment avec le prophète عليه الصلاة والسلام. مات الفاروق الذي كما قلنا كان يقول كل يوم يقال مات فلان وفلان وسيأتي يوم يقال فيه مات عمر بن الخطاب. Souvenez de la parole du début. وعمر بن الخطاب il disait chaque jour qui passe les gens disent un tel et un tel sont morts, un tel et un tel sont morts. Il dit viendra le jour où l'on dira عمر بن الخطاب il est mort رضي الله عنه. وتألم الصحابة جميعا على موت عمر وعلى فراقه. Et les compagnons ont été chagrinés, touchés par la mort de Omar ibn Khattab et de le quitter. يقول ابن عباس إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر ابن الخطاب وقد وضع على سريره. Il dit pendant que j'étais avec le peuple, les gens, il dit qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour Omar ibn Khattab alors qu'il était posé sur son lit. Et رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول. Il dit un homme qui était derrière moi qui avait posé sa tête sur mon épaule et il disait رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبي. Il dit puisse Allah te faire miséricorde, j'ai toujours espéré qu'Allah Azza wa Jal te permette que tu rejoignes tes deux compagnons. لأني كنت كثيرا. Il dit car c'est un des compagnons. كنت كثيرا ما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول. Il dit j'ai à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام j'entendais souvent le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام dire كنت وأبو بكر وعمر فعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر. Il dit, le prophète عليه الصلاة والسلام disait j'ai fait ceci avec Abu Bakr et Omar. J'ai dit cela alors qu'il y avait Abu Bakr et Omar. On est parti, moi Abu Bakr et Omar, رضي الله عنهم. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. Il dit, j'ai toujours espéré qu'Allah te les fasse, يعني, que tu puisses les rattraper ou être à leur côté. فالتفت فإذا هذا الصحابي الجليل وعلي بن أبي طالب. Il dit je me suis retourné, il dit j'ai vu que ce compagnon c'était Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib يشهد لعمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام راض عنه. Et c'est Ali ibn Abi Talib qui témoigne pour Omar ibn al-Khattab que le prophète عليه الصلاة والسلام a été satisfait de lui, qu'il va rejoindre ses deux compagnons. ومع ذلك نرى من يدعي اتباع علي وعلي منهم بريء من بعيد أنهم يسبون عمر بن الخطاب. وهذه هي الفتن كما سماها التي تموج كموج البحر. Et on voit malheureusement des gens qui osent insulter عمر بن الخطاب et qui prétendent suivre علي بن أبي طالب. Et علي رضي الله عنه est innocent d'eux. Il n'y a aucun lien avec eux. Il a même brûlé vif leur prédécesseur, radiyallahu anhu. وَالصَّحَابَةُ يَثْنُونَ عَلَى الْفَارُوقِ. Tous les compagnons faisaient les éloges de Al-Farouq, Omar ibn Khattab.
يقول ابن مسعود لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان وضع علم الأرض في كفة لرجح علم عمر. سبحان الله. عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة. Un des savants parmi les compagnons, Abdullah ibn Mas'oud, il dit si la science de Omar ibn Khattab était posée sur une balance, et on pose la science de toute la terre sur notre balance, il dit la science de Omar ibn Khattab serait bien plus lourde. La science de Omar ibn Khattab serait bien plus lourde. Wallahi, voilà si on pourra citer les choses que Omar ibn Khattab il a fait dans le domaine politique, dans le domaine social, car c'est très important de ne pas se faire tromper dans notre époque où les gens font croire que c'est l'évolution, les gens font croire qu'ils veulent le bien aux gens. Si vous regardez ce que Omar ibn Khattab a fait pour les pauvres, il a fait pour les femmes enceintes, qu'il a fait pour les femmes dont le mari est décédé, il a fait pour les femmes divorcées, les choses qu'il a fait pour les voyageurs en détresse, vous verrez que rien n'a été inventé. Vous verrez que tout ça a été pris des compagnons. On a pris le fruit, le travail des compagnons. Et on l'a zoar, on l'a transformé, on l'a donné d'autres noms. On l'a appelé Rissa, Rémi et autres. Ça, c'est le travail des sahaba. C'est pas le travail d'un tel ou d'un tel. Mais malheureusement, les musulmans, on est loin de sahaba. Et nous, on suit ces gens, on pense qu'ils ont l'évolution, qu'ils ont la modernité. C'est le sahaba où il y a l'ilm pour tout, pour l'adoration, pour le social, pour tout. Le sahaba, ils vivaient dans un état, ils ne vivaient pas dans une bulle. Donc ils avaient des règles également. Ils savaient comment juger entre les gens, comment pour les litiges et tout. Donc le sahaba, c'est normalement notre chemin dans toute la vie, dans l'éducation, dans l'enseignement. Le sahaba, c'est le modèle. C'est les gens qu'Allah il a choisi pour être aux côtés de son prophète alayhi salatu wa salam. Wa yaqulu Talha Abu Talha al-Ansari wallahi ma min ahli baytin min al-muslimin wa qad dakha alayhim fi mawt Umar naqs fi dinihim wa dunyahum. Regardez ce qu'on parle, il dit par Allah, il n'y a pas une maison de musulmans sans qu'après la mort de Umar ibn Khattab il y a une diminution de la religion, une diminution dans les parts du bas monde, dans leur demeure. C'est le compagnon, par sa cause, A'azzallahu bihi al-Islam. C'est le premier qui a prié à Al-Ka'ba. Je ne sais pas si vous imaginez maintenant des milliers de gens prient. Le premier qui a prié, c'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Wa yaqulu Hudhayfa ibn al-Yaman, innama kana mithlu al-Islam ayyam Omar. مثل مقبل لم يزل في إقبال فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار. حذيفة بن اليمن il dit l'exemple de l'islam au temps de Omar, il dit c'est comme une personne que l'on attend qui va arriver durant tout son califat, il se rapproche, il s'approche, il dit à sa mort, il dit c'est quelqu'un qui s'éloigne et il ne cesse de s'éloigner, la religion qui diminue. Car c'était le bab, c'était la porte. Et la porte est cassée, et la fitna est arrivée. Faradiyallahu anka ya Omar, wa an sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in, wa nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqana an nasluka sabilahum, wa an naqtadi bi atharihim, innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, wa sallallahumma ala Muhammad, وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.